Le 4-4, c'est pour leur foutre debout, en fait, t'as la touche R, visiblement, qui Ah bah fonctionne. ouais, on me l'a dit, mais bien après. Ah là Ouvre les là. portes là, désynchroniser là, c'est chiant ça, le 4-4. Ah oui, Allez. quand t'as la porte du haut qui s'ouvre, mais pas celle du bas et inversement. Oh là là. Mais du Faut coup, baisser j'ai ta regarde. manip de merde. Du coup, j'ai même plus de tornade. J'ai remarqué Ah ça oui. aussi, quand tu recharges comme ça là, quand t'as une tornade. Ah si, elle est là. Mais tu sais, tes Et panneaux toi, solaires quand tiens, tu. ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai une confirmation sur leur site, sur leur Discord, ils expliquaient les tornades, parce qu'il y a un mec qui dit, putain, ça fait 4 nuits que je dors et j'ai toujours la tornade. Et un Ouais. développeur, il a expliqué que tu peux pas passer l'événement. Ah. L'événement a un temps, même si tu Ouais, dors ou pas c'est que ce ce que tu soit, disais la dernière l'événement, fois, il Goldar. restera Voilà, c'est ce que je te disais, réactif. Jean-Jacques, c'est timé en fait. C'est Il ça, faut exactement. Tu qu'il peux est pas le présent. passer. Non, il est présent, mettons, s'il est programmé pour durer, je sais pas, 1 heure in-game, et ben il reste 1 heure in-game, quoi. Voilà, on C'est ça. s'éclate dans la tornade, t'as vu? Oh. Oh putain. Allez où, ma Josiane, qu'on danse ensemble. Ah, c'est exactement. On danse le mire. Et là, si chaude, par contre. Oh, t'aurais pas dû, mec. T'aurais Voilà. pas dû. Faut pas sauter. Ok. Oh, le rocher. Oh, Ouais. putain. Oh, j'ai pris cher. Voilà, on va te retrouver, hein. On va explorer Mars, on va retrouver un corps brisé en Voilà. 12. Ah là, il y a pas de pardon. Hein. Vivre à fond l'aventure martienne. Ah bah oui, là, je la vis à fond, là. Ah bah là, l'adrénaline, elle est présente. Hein. Pour l'instant, j'ai Me pas eu demande si elle l'occasion pète d'en pas le voir. rover. Ah, on l'a pas vu, ça, encore. Non, on l'a pas eu, nous, encore. Mais c'est random, hein. Parce que moi, j'ai jamais eu de tornade encore. J'ai eu des Ah. trucs d'électricité, là. Les Oui, les tempêtes foudres magnétiques. électriques, ouais. Ouais, et des météorites. J'en ai déjà eu deux, des météorites. Ah, Ah nous, oui. on n'a pas encore eu. Hein. Et une bien sur ma base. La première, elle est tombée à côté. Je me dis, oh, tranquille. La deuxième, putain, sur mon bâtiment principal, elle m'a tout défoncé. La première, elle te prévient en fait. Attention, j'arrive. C'est ça. Mais ça fait des dégâts autour, ça fait une onde de choc en fait. Ouais, Donc t'as même dit. si ça tombe un petit peu plus loin, ça va quand même faire un petit dégât à ton panneau solaire ou à tout ce qui est autour. Ouais, donc il y a une zone radiale autour du point d'impact, quoi. C'est ça, c'est ça. Et il y avait mon imprimante, il y avait tout. Donc tout mon matos s'était éparpillé partout dans mon pote, la galère. T'as plus d'oxygène, mon casque est à moitié pété parce que je dormais à côté Ouais. dans mon petit caisson et ils ont tout pété, quoi. L'aventure martienne. Mais là, j'ai testé pas mal la botanie, là. Je commence à voir un peu comment ça marche. Commence à maîtriser le sujet. Ouais. Je vois un peu ce qui rapporte le plus en énergie, le temps aussi, il faut faire pousser. Parce que t'as plein de. Chaque plante a un temps, en fait, entre guillemets. Ouais, tout ne pousse pas à la même vitesse, quoi. Puis il y a un différent procédé aussi. Il y en a, il faut passer dans l'incubateur, après, il faut les mettre sur les rails hydroponiques, et après, il faut les mettre en terre. Ouais, bah comme le maïs. Voilà, ceux-là, à trois étapes, ils sont chiants, ils prennent C'est trop. en trois phases, ouais. Et ils nourrissent pas spécialement mieux qu'en deux phases, quoi. Et t'as pas spécialement besoin d'engrais non plus pour faire pousser. L'engrais, ça sert surtout pour le temps. Tu Pour vois, la maintenance. quand j'ai rechargé la partie, tu vois, le rover, il est redevenu nickel. Ouais, T'as c'est vu? vrai. C'est cool ça. J'ai Tu vois remarqué, ça? même là, tu vois, les tornades, normalement, quand elles tombent sur ta base, elles te pourrissent tes panneaux solaires. Ouais, elle Et bah, salisse tout, tu ouais. recharges ta partie, les panneaux solaires, ils sont tout propres. Ah, J'ai c'est chiant ça. remarqué ça la dernière fois. Ouais, c'est pas persistant. Hein. Rassurez-vous, ce sera patché. Ouais, parce que j'ai remarqué aussi, si le 4x4 est dans le garage, la dernière fois que tu l'avais mis dans le garage, j'ai vu sur une de tes vidéos, il y avait quand même le sable au-dessus. Ouais, et ça c'était un peu bizarre. Tac, de la pomme. Mais non, pas séparé, qu'est-ce que tu fais? Putain. Ah. C'est bizarre que mon écran il est petit comme ça sur. Bah, ici, je te dis, j'ai trois écrans, donc. J'ai essayé de le mettre en fenêtré, mais on voit rien, on voit que mon accueil. Non, mais moi je suis sûr que c'est une option dans Discord. Je me rappelle, j'avais déjà eu ce problème et quelqu'un m'avait dit comment faire pour mettre juste la petite truc en plein écran. Bonjour monsieur. Salut, Salut. salut. Salut LJ. Hey, salut. C'est la réunion aujourd'hui. Eh oui. Ah bah oui, parce que je suis dans le menu, je suis con. Comment allez-vous? Ben ça va et toi? Ça va. Tranquillus. Ah oui, et bonjour à Ch'ti Osir aussi qui est mute et qui nous a rejoint. D'accord, Ah, il y a salut, quelqu'un salut. d'autre aussi? Eh oui. Salut. Ah ouais. 43%, puis avec la tornade, ça va pas me le recharger. Hein. Putain. Hey, on met l'éolienne sur le toit du rover, vas-y, charge! Ouais,
Oh là là, en plus il fait Voilà, nuit, et la nuit, bordel. voilà. Là, là, tu vois, le pack est complet. T'as essayé la télécommande? Non, même pas, ouais, tiens. Je sais même pas si je l'ai ici. Essaye la télécommande, on Non, voit le mais. revers dans la tornade. Reste à côté, on voit le revers dans la tornade. Ah, c'est pas con ça, mais. Ah oui, la télécommande elle est là. Ah! Ah! Je peux rester dedans? Non, c'est mieux d'être à côté, c'est une télécommande. Oui, mais là, je vais m'envoler. Oui. Bah non, si tu restes. À Regarde, elle bonne est loin de toi, distance. là, tu vois, c'est rien, Lui, quoi. il veut que je déglingue mon rover, en fait. Ou Oui, alors, alors comment ça, ça c'est la marche? bêta, d'accord? Alors là, t'appuies sur. Tu te mets en face du. Voilà, t'as le rover, t'appuies sur clic gauche de ta Ah, souris. ok, yes. Et là, tu pilotes comme si tu pilotais le rover, en fait. Et je On le vois pas, il est regarde grand. l'écran. Non, non, tu regardes l'écran, la tablette, voilà, et tu pilotes. Bah, ça veut pas. T'appuies sur W, après les fiches pour avancer et reculer, quoi. Bah, ça C'est veut toujours pas. à Ça veut pas. Fais tab, on voit si tu peux utiliser la. Rapproche-toi un petit peu. Bah, avec la télécommande, je peux pas. Il faut que Bah, tu relève recliques là, pour ouais. la Fais clic sortir. droit. Ouais, fais clic droit. Rapproche-toi un peu, voilà. Oh, ça marche bien, moi. Ah oui, ça y est. Voilà. Oh, tu vas où? On the road again! Tu vois, la connexion est très. Ah ouais, c'est limité, hein. Ah, c'est bah, je te l'ai dit, hein. Tant que t'as pas l'antenne, c'est limité. Mais essaye si tu peux piloter la petite grue derrière aussi. Attends. Parce que là, Essaye je de vois faire rien, en attention. fait. Comment tu fais? Tu fais tab maintenant, quand t'es dessus. Oui, donc j'ai contacté les Non. créateurs du jeu hier. Tu fais la même touche que quand tu utilises dans le camion, en fait. Tu fais exactement le même. Ah oui, exact. Mais attends, je fais quoi moi pour. Ouais, je fais ça. Voilà, ok. D'accord. Ah ouais, c'est Là, pas tu mal peux ça. piloter. Ok. Ouais, mais là, il fait nuit, on voit rien, il me demande de faire des trucs la nuit, lui. On a des lumières hein, aussi, hein, sur le rover, Ouais. avant, arrière, côté. Oui. Ouais, mais déjà que la batterie était pas très chaude là. Alors. Ah oui. Mais Il y avait toutes les lumières et tout. j'arrive Je vais plus à le mettre dans la sortir. merde. Ah voilà, Ouais. regarde, toi, je l'ai mis dans la merde. Aziz. Et alors, ça donne quoi les créateurs? Ils t'ont répondu? Ouais, en fait la bêta fermée, ça fait bien longtemps qu'elle n'existe plus. La bêta fermée aussi que le mec a fait sa vidéo, là, que je t'ai montré la photo. Ouais. Ouais, le truc privé, ouais. Ouais, donc il n'y a pas de code, il n'y a rien. Là, vu que la bêta fermée, Ah, elle est finie, c'est fini, d'accord. c'est fini depuis longtemps. C'est longtemps qu'elle C'est est bizarre finie. parce que la vidéo, elle est récente quand même. Ouais, bah, je sais pas, parce que eux, ils me l'ont dit, hein. La bêta fermée, ça fait longtemps qu'elle est fermée. D'accord. Et là, c'est si t'as pas la clé qu'ils nous ont donnée, bah, tu peux plus participer au jeu. Ça depuis hier. D'accord. Oui, Donc. classique, j'ai envie de te dire. Donc, Mais ça, ce que je voulais voilà. savoir, moi, surtout, c'est ils allaient débloquer le reste du menu, là. Ça. Mais j'avais pas un panneau solaire. Ah, si, là, putain. Ouais, là, il va falloir attendre. Ah ouais, mais. Et comme tout, faut attendre. Ah, on verra bien. Ils vont le sortir, mais quand même, c'est beau. Tu Parce vois, que. c'est marrant, le rover a plein de poussière, mais la remorque, non. Ouais. La remorque est propre. Apparemment, il y a une touche aussi pour ranger la grue, mais j'ai jamais trouvé. Au niveau du rover? Ouais, du Bah, rover. c'est là. Tu te mets là et tu vas là, Ah ouais? c'est mode transport. Ouais, et en fait, elle va poser. Ah, Elle va mode poser. transport, je pensais que ça était pour pivoter le Non, site. non, on la regarde en moi, Non, non, le bras il se rétracte en fait. Ah ouais, parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'aller sur mon broyeur. Oh! Tu vois, il s'est rangé quoi. Attends, mais il faut que je rebranche mon. Ouais, mais ça sert à rien. Le panneau, il doit être tout. Ah bah non, il est pas dégueulasse. Ah, fais gaffe, c'était pendant la tornade, donc tu vas te faire rapper, toi. Hein. Oh, t'inquiète, on a déjà testé. Ouais, on a essayé. Faut pas Tiens, je sauter. pense que c'est là l'avantage du petit robot chien. Tu peux les trucs Ouais. comme ça, tu l'envoies lui pour aller faire les connexions. Ça sortira, mais ça se m'en soupe. Tu regardes Par par la exemple. fenêtre sans le petit chien sans Bon problème. bah écoutez, hein, je vais aller démonter pour l'instant. Hein. La dernière fois que je suis rentré dans une base comme ça, c'est quand même une tornade, je me suis fait happer par contre. Ah bon? Ouais. On va le Ah savoir oui. tout de suite. Je me suis carrément fait happer à l'intérieur.
Ah ouais, toi, tu démontes tout à l'intérieur avant de démonter le bâtiment. Ouais, parce que ouais, sinon, ça prend pas en compte tout ce qu'il y a dedans. Tu perds les ressources, en fait. Et les machines, là, aussi, là. Ah ouais, il y a plein de... T'as beaucoup de décorations. Ouais, comme on avait dit hier, les garages, surtout. T'as plein de sortes de garages différents. De toute façon, vraiment. Oui, si le mec, il disait qu'il y avait 20% du jeu dans la bêta, t'imagines. Je pense pas que les autres 80%, c'est que du... L'amélioration tech tree, ça va être du bâtiment, je pense. Il y aura beaucoup de bâtiments. Bâtiment, des nouveaux postes pour l'électricité, des nouveaux véhicules, la chimie, d'autres... Oui, mais tout ça, ça va sortir bien après. Ça sera pas quand ils vont sortir le jeu. La chimie, c'est prévu pour fin 2023. Genre... Ouais, ce sera progressif, quoi. Ouais, exactement. Je pense que ce qu'ils vont sortir là directement, ce sera tout ce qu'on voit plus ou moins dans le jeu. Quoi. Mais ça, c'est pas encore. Hein. C'est pas encore ce qu'ils peuvent sortir. Hein. Bah, faut regarder la roadmap. Si tu regardes la roadmap, tu vois sur quoi ils travaillent. Ils vont sortir. Mm-hmm. En gros, c'est une chose. Moi, c'est quand même une sacrée équipe, donc ils peuvent te faire une surprise entre temps. Ah. Les créateurs, c'est comme ça. Ouais, je pense pas. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le jeu. 28 ans quand même, ça fait beaucoup quand même. Ah bah quand rien, t'as des jeux comme Star Citizen. Ouais mais eux, ça fait 12 ans que je suis dessus, ils sont des équipes de fou. Hein. Ouais, c'est impressionnant le monde qui travaille dessus quoi. Ouais, c'est En même temps, le jeu, voilà quoi. Ah bah, t'en prends pas les yeux. Et tu c'est la prochaine étape du jeu vidéo. Hein. Ouais, clairement. On est passé des heures dessus avec des potes. C'est vraiment un jeu pour tout le monde, mais c'est buggy, quoi. Faut pas t'attendre. C'est normal, hein. Ah, t'as rien d'au-dessus de ma tête. Je te dis, hein, ça va faire un tour sur... En sens sur Listera, tu vois. Ouh. Ouhou. Ouh. C'est Michael Jackson. Elle te caresse le trou de balle, là. Attention, regarde ça. Le moonwalk. Ah, t'es au milieu, là. Là, t'es au milieu. Ouais. C'est comme ça, je te dis. Ne saute pas, ni rien. Non. Ah, si tu sautes, on sait ce que ça fait. Hein. On a déjà vu ça derrière une armoire. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais faire. Voilà, respire, tranquille, éteins ta lumière. J'ai la lumière d'allumer, mais non. Cache-toi dans le placard. Et là, je pense aussi les orages qui font, là, ça va te défoncer tes cartes. Ouais. Ouais, je pense que ça, oui, au niveau de tous les systèmes électroniques, ça va prendre cher. Ouais, je pense que chaque catastrophe te fait des dégâts spécifiques. Mmh. Tu vois, les tornades, elles te masquent un peu l'électricité des panneaux solaires, les météorites, elles te font tout. Et ouais, les orages magnétiques, je pense qu'elles doivent être traquées quelque chose, quand tu dois aller réparer les cartes. Ouais, moi je vois comme ça aussi, les tempêtes électriques... Qu'on a déjà eu là, qui donne des radiations en plus, hein, parce que sinon il n'y a pas de plaisir. Exactement. Et ben, je pense que oui, ce sera tout l'équipement électronique qui sera impacté. C'est ça, ouais. Enfin, c'est d'où l'intérêt de réparer les cartes. Parce que pour le moment, j'ai pas trop vu l'intérêt. Quoi. De toute façon, si tu peux les réparer, c'est qu'elles peuvent s'endommager. Donc voilà. Exactement. Bah, t'en trouves endommagé apparemment. Moi, ah oui, pas avec Gerger, on en a trouvé une. Bon, on a estimé le temps de réparation environ 8 jours. Impossible. On n'a pas les composants. J'ai essayé, ouais, il manque des composants. C'est un mythe sur ma partie. Ah, tu verras, tu vas. J'ai des mois de jeu. Hein. Donc, j'en ai jamais vu encore des éclatés. Ah bah nous, on en a une et je peux te garantir que elle a pris très très cher. Hein. Et comme dit Gerger, on a même pas tous les composants pour la réparer. Il manque des composants. Quand la mienne. Ah, oui. Ouais. C'est que je l'ai trouvé, elle est en rouge total, elle a plus que 5% de vie. Alors, balance-la dans le broyeur direct. Hein. Ah, j'ai pas essayé ça, ouais. Ça va pas. Bah, c'est comme ça que tu récupères le matériel. Ou alors tu mets dans la poubelle, oui, ou alors pas faux. T'as une poubelle aussi dans le workshop. Si tu mets dans la poubelle, ça te récupère le matériel. Ouais, mais la carte entière, on peut la mettre? Bah ouais, moi j'ai vu des mecs sur... justement, un mec qui faisait un tuto, un petit moment de ça, qui disait comment récupérer le matériel. Soit tu le mets dans le broyeur, soit dans la poubelle du workshop. Mais attends, la tornade elle est terminée là.
Bah après, je sais pas le temps des événements. Il est là, ça se Ah non, là, là, je le vois plus affiché en fait. Ah si, là, elle est en train de se... elle est en train de mourir. Ouais. Ah ouais, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Nickel. Donc on compte, elle a duré en gros une dizaine de minutes. Ouais, je pense que les événements, c'est ça, ouais, 10 minutes. À part les météorites qui sont. Ça dure moins longtemps. Mais. Je suis pas de cellule solaire, putain. Après, avec la fusée, tu vas peut-être pouvoir déclencher des météorites. Donc on a un certain jeu. Certains jeux où tu peux t'envoyer des fusées pour déclencher des météorites. Ouais. Ouais, je pense que c'est, coup, la c'est fusée, plutôt. Ce serait le moyen de retour, je pense. Ouais, c'est ça, c'est la fin de la campagne. Moi, je pense pas. Bah, si, c'est le truc qu'on a débloqué à la fin, là. Le dernier truc du. Truc mais. De... L'automatique esclavation, c'est ça. Jar-Jar. Fusée, ouais. T'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur un jeu, là, où c'est que. On a aussi une fusée qu'on peut balancer dans l'air. Oui, c'est Planet Crafter. Ouais, Planet Crafter, t'as vu, tu balances une fusée pour déclencher des trucs aléatoires. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Enfin, elle tourne autour de la planète et puis ça te crée une pluie d'uranium, une pluie de d'autres éléments, quoi. Après, je sais pas s'ils vont l'implanter dans le jeu, mais bon. Moi, je pencherai à ça. Hein. Peut-être, ouais. Après, c'est une fusée où tu peux rentrer dedans, donc je sais pas. Bah, de toute façon, c'est la fusée en question, il n'y a pas de miracle. Hein, c'est ce qu'on a trouvé, Jar-Jar, de l'autre jour. Hein, c'est un Starship. Hein. Exactement. Le truc voilà. Qui est là, ça va être ça. C'est... En fait, c'est la fin de la campagne. Quand on aura fini la campagne, c'est le dernier truc. Tu regardes, il y a quand même beaucoup, beaucoup de clins d'œil à SpaceX et Elon Musk. Hein. C'est vrai. Beaucoup. Beaucoup. Après, n'oubliez pas que c'est bon, quand même. Bon, 30 dernières années d'espace, oui. Entre guillemets. Ouais, voilà. Pas mal de petits clins d'œil, entre guillemets, un peu à tout. Quoi. Faut pas oublier que c'est une bêta, ça peut changer avec la version officielle. Tout à fait. Oui, mais bon, c'est quand même assez proche du. Ah non. La bêta, la version officielle, ils peuvent te casser la bêta pour t'en faire autre chose. Ça c'est déjà vu, oui. Entre la démo et la bêta, ils sont sur la même ligne. Ils ont pas dérogé leur ligne. Donc, y a quand même. Bon. Il y a quand même moins de chance, tu vois. La bêta, la démo, c'est un peu kiff-kiff pareil. Entre la bêta et la version officielle, tu verras qu'il y a des choses qui changeront. Ah bah bien sûr, évidemment. Parce que, je te l'avoue que c'est véridique, moi j'ai participé à la bêta fermée de Dystera. Ouais. Et entre la démo, la bêta, la version officielle, ils ont carrément tout changé en peu de temps. Tu reconnaissais plus le truc. C'est plus le jeu parce qu'ils ont totalement changé les trucs. Et Dystera, c'est quand même un jeu assez balèze quand même. En fait, les mecs, on le sait pas, mais ils bossent sur deux projets différents. Et à la fin, ils tirent à pile ou face, tu vois. Et pile, c'est celle-là, et face, c'est l'autre. D'accord. Putain, mais lui, toutes les bases qu'il trouve, c'est impossible, j'y crois pas. Ouais, dans le Nord, je t'ai dit. Putain, toi, tu cheats, toi. Toi, t'as la collection. Ah oui, c'est ça. Mais non, comme il disait Beldor ou Chou. Non, c'est toi qui as dit ça, ils ont pitié de moi en fait. Ils ont dit allez, on a le max de. Attends, là, faut que je récupère. Je me demande si on peut miner les rochers géants. Il y a des endroits de la carte, tu vois, des putains de rochers. Hein. Ouais, une zone rocheuse. Bah, si, normalement, on peut. Ils sont vraiment immenses. Bah, si, j'ai essayé, j'ai même posé un broyeur à côté, j'ai pour. D'accord. Pour mission de tout démonter. Bon, ça va me prendre 100 jours, mais bon. Ah, moi, si t'as le marteau piqueur sur le 4x4, non, ça va. Ah oui. Ça ira plus vite, oui. Et moi, ça, pour ça, il faudra que je le débloque. Après, il a raison, parce qu'il. Enfin, le jeu, il le fait durer au maximum, tout ça, il a raison. C'est ce qu'il faut. Un jeu, si tu le torches dans 2-3 jours. C'est vaut mieux éteindre ton PC et tout comme ça. Ça, Jar-Jar, il a totalement raison de prendre son temps. Ah bah c'est comme ça, tu savoures ton expérience. Hein. On n'est pas sur le mode de speedrun. Hein. Ah non. C'est ça. Ah avec moi, jamais de la vie, hein, je vous le dis moi. Ah je suis pas du tout un speedrunner non plus. Hein. J'aime prendre le temps de découvrir le jeu, de. C'est ça. Et d'en profiter quoi. Voilà. Moi ce qui m'énerve, c'est qu'on puisse pas récupérer. Tiens, regarde, tu vois là la grue. Il y a du métal là. Ouais. Ouais, tu vois lui là le petit marteau. Et il y a ouais là, mais voilà. Tu peux pas le récupérer ça, c'est ça qui est dommage. Au moins que je le. Oui, je sais. Un marteau piqueur, c'est que tu puisses pas récupérer le métal.
Le marteau piqueur, ouais. Je l'ai vu, c'est dans tes compétences. Dans les tes compétences que... Oui, je sais, mais j'ai pas de points, j'arrive pas à débloquer les points. Attends, je vais regarder un truc. Ouais, regarde un petit peu là si tu débloques en sillon tout ce que t'as fait là. Tu vois, mécanique, je reste toujours à 3,99 je crois. Et il faut que j'aille jusqu'à 80, non mais ils sont sérieux les gars. Essaye de miner un rocher après pour voir qu'est-ce qui débloque la mécanique. Ouais. Ouais, parce que t'es... Ouais, tu vois, j'ai rien. Là, ici, j'ai plein de points qui se débloquent à chaque fois, mais. Oui, bah ça c'est normal parce que tu fais de la culture, mais la botanie, on sait que c'est de la culture. Ouais. Ça. Faire des cartes, des trucs comme ça, tu sais que c'est l'électricité. Mais le reste, je me demande bien comment tu débloques mécanique. Il me semblait que c'était démonter ça, ça se trouve c'est le minage. Peut-être. Mais pour moi, le minage, c'est plus pour le matériel. Bah, dans mes souvenirs. Bah, non. Ça, on pouvait le récupérer, ça là, parce que c'est trop beau. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je pense aux deux, c'est les bases et le minage. Ah, t'as aussi un réservoir de méthane, regarde derrière. Ouais, comme on a. Ouais, oui, je sais, bah oui. T'as le vert, bleu et rouge. Mais ça, on l'a pas encore, ça. Non. Ah, mais la question, c'est comment tu l'extrais. Bah, regarde, avec le sabatier. Parce qu'il est branché dessus. Pour le bordel. Bon, on peut pas acheter le temps. Il est là pour le. Ça, le temps qu'il est encore bloqué. Ouais, on peut voir. Il est branché dessus. L'eau et l'autre. T'as l'eau, l'oxygène et le méthane. Ouais, mais le méthane, on l'a pas. On peut pas l'avoir. Et pourtant, le méthane, on en aurait terriblement besoin pour recharger le jetpack. Tu m'étonnes. Peut-être pour autre chose, si je me demande à quoi ça sert. Peut-être pas que pour le jetpack. Ouais, peut-être pour autre chose. Regarde, t'as pris un point là-haut. Regarde, ça clignote au-dessus. Non, mais c'est le point de chimie. C'est le point de chimie. Ah, point de chimie, d'accord, excuse-moi. À chaque fois, c'est ça qui se débloque. Chimie. Tu vois, là, je reste... Voilà, ici, la chimie, là, en fait. À côté de botanique. Mais ça, c'est pas encore. Ouais, moi, je crois pas que je l'ai, ça, le truc de chimie qui se monte. J'ai pas vu non plus. Hein. J'ai pas vu non plus, ouais. Ça se trouve, t'as vraiment un bug. Hein. Essaye de casser un rocher, là, derrière. Où c'est qu'il y a un rocher? Juste derrière ton 4x4, là, sur ta gauche. Voilà. Et bien ça, sûr. Ça, fixé. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Essaye de monter un truc, aussi, pour voir. Ça serait pas des fois en réparant des trucs endommagés Bah c'est ce que je me suis dit, là, mais j'ai essayé de réparer une carte, mais ça m'a rien donné. Hein. Ouais, mais carte, je pense que c'est électricité, parce que c'est dans l'électricité que t'as la carte. Non, mais en réparant, par exemple, des structures endommagées. Ah oui, un building, d'accord. Et tes machines sont niveau 1 ou niveau 2? Niveau 1. Celle-là, moi j'ai que la disqueuse qui est niveau 2. Mais c'est tu montes quand même en point, non, tu montes quand même. Bah non, justement, il a besoin de points pour débloquer les autres niveaux. Donc, bah oui. Ça serait pas logique. Tu regardes là, attends, comme... Non, j'ai rien. J'ai rien qui s'est débloqué. Non. Ah ouais, voir si ça a augmenté. Oui. Non, regarde, 3,99. Toujours bloqué. Donc c'est pas le minage. Là, c'est 0,6. Là, t'as tout débloqué, toi. Il te reste plus que le minage à faire, c'est ça. Ouais. Le tout... minage, je veux dire, la mécanique. Ça, ouais, la mécanique, ouais, il y a que là où. Il y a que celui-là et le robot, quoi. D'accord. C'est ça. Est-ce que ça va pas se déverrouiller quand t'auras toutes les pièces du robot? Bah non, je pense pas. Je l'ai déjà depuis le sol. Mon rover, il est où? Putain. Ouais, et. Le 25, un truc comme ça, je l'ai. Et ça n'a rien changé. Donc, je vois pas, non. Pour moi, j'ai débloqué de suite et je me rappelle plus comment j'ai fait. Moi, il me semblait que c'était quand tu découpais les bases et que tu remontais. Ouais, pourtant, découper les bases, on a fait 50 millions, hein. C'est ça. Après, essaye de monter un truc. Bah non, t'arrêtes pas d'en monter des parades. Bah ouais, je démonte, je remonte. Bah, j'ai tout démonté et tout remonté pratiquement. Ouais, non, je pense que c'est un bug. Et t'as je vois pas quoi d'autre. Et t'as la version bêta ou la version classique du jeu? Non, bêta. Ah, comme nous. Comme vous, là. La 99.9.0.1.3, là. Non, ouais, y a quelque chose. Parce que chimie, moi, j'ai pas l'impression que j'en prenne des points. Toi, tout le monde. Moi, j'en prends plein à chaque fois, mais le truc, il est bloqué. Je pense que ça a dû bugger là-dessus, tu vois. Au lieu de prendre des points de mécanique, eh ben, tu prends des points de chimie. Voilà, oui, tu vas être bon à recommencer. Parce qu'à chaque fois, les points de chimie, c'est quand tu découpes des trucs, donc. Ah, bah, de toute façon, t'as encore un petit mois ou deux, donc t'auras le temps de refaire une partie. Ouais, j'en ai déjà commencé une autre, mais bon. J'ai pas continué quoi. T'as essayé un différent genre difficile ou des trucs du genre? Non, pas encore. Ouais.
Il y a de la semence là-bas. La semence. Oh mon dieu. Oh putain, des patates. Ah non. Ça j'en trouve pas. Non, c'est chou, c'est... Par contre, le truc aussi qui est mal fait, c'est quand tu fais des graines, tu gagnes rien en fait. Ça promet exactement la même chose. Wow. Allez. Ah. Le pixel, le pixel. Non, il reste pas ouvert. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Je pense pas qu'il y ait possibilité de réparer les bases. Bah. Certaines, bah, moi, si. Parce qu'il y en a, il y en a certaines, regarde, le panneau, il est tout propre et tout, là. Oui, mais ça, je crois qu'ils avaient expliqué que c'était des bâtiments juste pour la loot. C'est juste pour te faire de la pièce, de l'expérience, en les démontant. Ça, par contre, c'est bien fait, le workshop, quand tu mets ta disqueuse ou ce que ton chalumeau pour l'améliorer. Avec les petits bras électroniques qui sortent du côté de la table, là, tu les vois modifier. Du coup, mais je sais pas. C'est notre partie, Jar. Ouais, ce que je vais faire. Salut, je sais pas qui c'est qui est arrivé. C'est le retour de Chitosia. Ah, d'accord. Mais il parle pas, il a pas de micro. Je sais pas, il ne doit pas avoir de micro, je sais pas. Attends, il y a deux points là qui m'intriguent. Là. Il est mieux. Ah, c'est des basses, ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, chef? C'est quoi la partie verte en... Ah ouais, c'est les radiations. Ouais. Tu sais quoi, Georges, si on retournait voir cette immense montagne qu'on a trouvée, qu'on s'est dit, ouais, c'est pas possible, c'est pas celui-là. Donc c'est au... C'est à l'est pour nous. Globalement. Là-bas, tout droit, là. Ouais, ce serait par là. Ok, attends. Bah tout droit en fait, pas besoin de mettre de points, hein. On passe casser le cul avec des saucisses plates, hein. Chito, si tu nous as parlé, on t'a entendu en arrière-plan.